Allô? Allô, Amanda. Bonsoir. Bonsoir. C'est Alphonse. C'est qui? C'est Alphonse. Ça va, Alphonse? C'est quoi ton prénom? Ouais, c'est Amanda. Bonsoir, Amanda. Comment tu vas, Amanda? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Amanda? Amanda? Oui. Moi, j'adore les pieds des femmes. Ah oui? Moi, j'adore sucer les orteils, Amanda. D'accord. Non, ça te dérange pas? Non, tu peux y aller. Moi, je... Vas-y, passe-moi ton pied, là. Tu fais du combien, Amanda? Je fais du 40. Oh, tu fais du 44, j'adore les grands pieds. Non, pas du 44, du 40. Là, tu fais du 40. Mais le truc, c'est que moi, je suis dans ma cave parce que mes parents, ils sont frères et sœurs. Toute la journée, je suis dans ma cave et moi, j'ai qu'un chat, mais comme je voulais une poule, et ben, j'ai pris mon chat et j'ai mis une balle de golf dans le cul. Et il bouge plus, je crois qu'il est mort. Ah, d'accord. Oh là là là! Est-ce que tu connais une femme qui a une grosse paire de couilles? Ah bon, tu crois que tu t'en connais, toi, les femmes qui ont des grosses paires de couilles? Toi, qu'est-ce que tu cherches? Moi, j'aime bien ça, oui. Mais moi, je suis né avec un tout petit corps et une très grosse tête. Je comprends pas pourquoi mon papa, il remplit son bol de céréales de lait en pressant très fort les seins de maman. Ah, d'accord. Il y a des trucs que je me pose comme ça, oh là là là! Et quand je regarde des filles et des garçons et des chats, j'ai des couicouis qui devient tout dur. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu parles comme ça? Tu parles pas normalement. Mais c'est ma voix parce que j'ai une très grosse tête. Moi, j'ai un tout petit corps et une très grosse tête. Mes parents, ils sont frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as, dis-moi? Et comme je voulais un poney, mais j'avais qu'un chat, ben j'ai tenté de m'asseoir dessus et je l'ai écrasé avec mon cul. Il bouge plus. Je crois qu'il est mort. Oh là là là. Oh là là là. Amanda? Oui? Est-ce que tu pourrais m'exciter? Comment ils sont tes pieds? Décris-moi tes petits pieds, Amanda. Ah, disons que tu m'excites pas trop parce que tu parles pas normalement. Ah mais moi je sais, je suis très naturel, hein, Amanda. On va faire le pitre. Va attraper mon tissu, oui. Mon tissu, oui, oui. J'ai un petit croquant comme ça. Je crois que ça me pousse. Tu sais où tu devrais être, toi, dis-moi. Moi, je crois que ça me pousse. Ça me fait caca. Tu devrais pas être là, tu devrais être dans un cirque. Ça me pousse. Ça me fait caca. Ouais, ça c'est pas bon. Oh là là là! Oh là là là! Ben oui, mais moi je suis né avec un tout petit cœur et une très grosse taille! Est-ce que ça t'excite si je proute parce que ça me fait caca? Alors écoute, moi ça me fait pas rire. Mais je rigole pas du tout, mon papa et ma maman ils sont frères et sœurs! Moi c'est Alphonse! Et comme mon maman avait fait des gâteaux au chocolat, ça sent le caca, je comprends pas pourquoi. D'accord. Oh là là là! Est-ce que tu connais une femme qui a une grosse merde de couille? C'est Alphonse! Allô? Eh oui, je t'entends, je t'écoute, je te laisse tourner. Ben oui, mais moi, si tu me réponds pas à mes questions aussi, et moi, quand je... Ce que je comprends pas, il faut vraiment que j'arrête de me masturber dans le salon parce que les clients à IKEA, ils n'apprécient pas vraiment. Je comprends pas pourquoi. Oh, surtout que tu parles autrement parce que vraiment, t'as l'air un peu... De quoi? T'as l'air un peu d'avoir un problème. Ouh. Ils aiment bien les enfants à problème. Mais j'ai moi-même un problème parce que je suis né avec un problème parce que... Le problème, c'est que mon tonton, c'est aussi ma tata. Et ma petite sœur, c'est aussi ma grand-mère. C'est un mélange dans ma famille. On sait plus trop qui est qui, tu sais bien. Ah, d'accord. Pourquoi tu vas pas dans un cirque? Mais je sais pas, parce que je sors pas de ma cave, là. Je suis chez moi depuis quelques années et... Tu devrais aller dans un cirque. Tu ferais peut-être rire un peu les gens comme ça. Mais oui.
Oui, mais moi je voulais une vache à lait, mais comme j'avais qu'un chat, bah, je lui ai tiré très fort sur son zigouigoui, mais pour qu'il me donne du lait, mais il est pas solide son zigouigoui, mais c'est dans la main, il bouge plus mon chat, je crois qu'il est mort. Ah ben dis donc, dis donc. Oh là là là. Oh là là là. C'est Alphonse. Est-ce que tu connais une femme qui a une grosse merde de couille? Mais c'est pas que je me répète, c'est que tu me comprends pas. Moi, j'aime bien les femmes avec des... Avec des couilles. Maman, elle a des aiguigouis en plastique dans sa chambre. Je comprends pas pourquoi. Elle a des quoi? Moi, j'ai des aiguigouis en plastique, maman. Je pense que ça veut dire des aiguigouis. Ben, c'est comme ça, j'ai... Là, c'est ça, les aiguigouis. Tu vas le voir dans la bouche. Tu vas voir ce que tu... Oh là là là! Et mon papa, il fait pipi contre le mur de la maison quand il rentre bourré, mais il est dans le salon quand il fait pipi sur les murs de la maison. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu vas pas dans un cirque pour faire des trucs là que tu fais? Parce que là, moi, ça me prend pas. Ça prend pas? Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, mon gamin? Ça fait même pas rire, tu vois. Qu'est-ce que t'aimes faire? Je vais pas te dire ce que j'aime faire, t'as une façon de me parler, j'aime qui m'énerve. Est-ce que t'as une paire de seins ou pas? Bien sûr, j'ai une paire de seins. Et t'as aussi une paire de couilles? Bien sûr. Ouh, j'ai enfin trouvé ma femme avec une paire de couilles. Ça fait 6 ans que je la recherche. Qu'est-ce qu'il disait là, putain? On n'entend pas quand il parle. C'était le père Fouras ou quoi? Ah putain, ouais, c'est exactement ça, putain. Il est sérieux, il était bizarre le mec. Oh là là là, moi, ça fait trop rigoler, ça, putain, j'en ai mal à la gorge. Hein.